vous donc, et poursuivre avec notre programme. Prière aux journalistes également de bien se positionner. Je vous en prie. C'est comment ? C'est le sang qui s'agit. Vous avez vu les combattants se présenter, vous n'êtes pas chez au jour là. Vous n'avez pas envie de combattre. Parce que moi-même, ça m'a donné envie. Hein. Oui, s'il vous plaît. Comment? Merci pour le parce que ça, l'événement n'est rien sans vous. Voilà. Et surtout les athlètes qui sont tous mobilisés, qui sont entraînés pendant des mois pour finalement honorer à cet événement et que demain vont nous donner un show de très grandes envergures. Donc, merci à vous. Merci aux étrangers qui sont pris la peine. Soyez les bienvenus au Cameroun. Merci. Voilà. Vous n'êtes pas l'étranger, vous n'êtes plus l'étranger. On est en Afrique. Continent, même si en quelque sorte, c'est deux continents. Le continent Cameroun. On reste dans l'esprit sportif. On va combattre, on va bagarrer. Mais on reste sportivement, voilà. Donc c'est une bonne rivalité qui permet à tout un chacun d'évoluer, d'avoir l'expérience, d'acquérir l'expérience pour grandir en compétition. Et par cette occasion qui nous a été donnée par Premier Bet ici présent, qui fut vraiment notre seul partenaire depuis le début de ce projet qui s'est présenté. Et je vais vous dire qu'au départ, je n'y croyais pas trop. Right? C'était comme tous les autres, mais comme vous avez vu dans les présentations, ça ne fait qu'un an qu'on se rencontre, un peu plus d'un an, et ça fait un an qu'on a fait la première pause, la pause de la première pause. Aujourd'hui, ils ont tout réalisé ce projet. Donc, une fois de plus, j'aimerais adresser, au nom de la Fondation Francis Ngannou, j'aimerais adresser mes remerciements à Premier Projet. Merci beaucoup. C'est une première de voir des projets se réaliser à cette vitesse et ça, c'est juste un avant-goût de ce qui va se suivre derrière parce que là, le projet est plus grand que vous ne pouvez imaginer. Que le projet du MMA en Afrique et surtout au Cameroun est très grand et ça fait des années qu'on y travaille et aujourd'hui ça voit enfin jour, même si c'est encore à petit niveau, mais l'objectif c'est que dans les 5 prochaines années qu'on puisse compter, qu'on puisse ne pas avoir assez de doigts pour compter les champions africains dans le monde. Sans toutefois plus tarder, je vais laisser la parole aux journalistes qui ont certainement des questions à poser et nous restons à votre disposition. Merci encore. Eh bien, merci. Alors.